Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit à tous. Bon appétit. Et bon appétit. Bon appétit, bien sûr. Et salut tout le monde, donc ça fait pas mal de temps, on se retrouve pour une nouvelle recette. Aujourd'hui ce sera une recette très très simple, histoire de voir un petit peu. Je vais changer ma façon de filmer, j'ai quelqu'un qui m'aide, qui est derrière, vous pouvez pas la voir, mais elle est là. Et voilà, on s'y met tout de suite, c'est parti. Donc commencez par mettre un peu de matière grasse dans une poêle, personnellement j'ai juste passé un peu d'huile avec un sopalin, et vous mettez vos lardons en cuisson. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver la liste des ingrédients dans la description de la vidéo. Donc une fois que vos lardons sont revenus, vous baissez votre feu, vous ajoutez votre crème et vous mélangez jusqu'à ce que ce soit homogène. Vous réservez et on émince maintenant les champignons. Même chose, vous mettez de côté. Et on passe maintenant à la découpe du morbier, donc faites des tranches assez fines pour que ça fonde bien au four. Plus qu'à assembler tout ça, sur votre pain vous mettez un petit peu de votre préparation crème lardon. Que vous recouvrez de quelques tranches de morbier. Et pour terminer vous ajoutez les champignons. Dans un four préchauffé à 200 degrés, vous passez tout ça pendant 5 à 10 minutes selon comment vous voulez que ce soit gratiné. Et il n'y a plus qu'à déguster. Donc comme d'habitude, j'espère que la recette vous a plu. N'hésitez pas à la liker, partager ou commenter. Vous pouvez aller voir en attendant la prochaine les anciennes recettes. Et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde.